J'ai connu Maurice Lesage en janvier 1948, quand j'ai pris mon premier emploi comme enseignant au Collège du Saint-Esprit, où il enseignait déjà depuis quelques années. Nous sommes faits des amis tout de suite, et notre amitié s'est resserrée au fil des années, non seulement comme pendant au professorat, mais aussi au club Stade Olympique qui venait de connaître le jour. Nous siégeons chez le même comité. Maurice était le secrétaire et nous avons eu de très bonnes relations pendant ces années. Plus tard, comme syndicaliste dans le senior, dans le Professional Association, où Maurice était secrétaire. Et là, il prenait ses fonctions avec beaucoup de conviction. Et on traitait beaucoup de cas très très sensibles avec les autorités. Plus tard, quand il s'est lancé dans la politique, on se voyait souvent, on parlait, on discutait beaucoup. Pendant ces années au Conseil, je suivais un peu sa carrière, ses interventions au Conseil, on parlait de politique et il avait une ligne de conduite qui était droite comme tout. Et il n'était pas question pour lui de dévier, de changer de choses. Donc, je garde de bons souvenirs de Maurice pendant ces longues années et nous avons gardé de bonnes connexions, de bons liens jusqu'à sa disparition en 92.